Capitaine Marlowe passe donc de France 3 à France 2, c'est pour capter un public encore plus large ? Écoutez, c'est pas une décision qui m'appartient. Hein. Ça a été une décision de France Télévisions. Et écoutez, j'espère que ce sera bien. On verra. Hein. Je ne sais pas. Ça passe du mardi au vendredi. Ça passe de la 3 à la 2. Et on est face à Koh-Lanta. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire du mal à Denis Brognard ou pas ? Ah bon, moi, je veux faire de mal à personne, mais finalement, je me dis que vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Donc, c'est pas mal d'avoir une concurrence un peu musclée. Non. Voilà, musclée, c'est le cas de dire pour Koh-Lanta. Depuis 6 ans, le succès de Marlowe ne se débande pas. Dès le début, vous sentiez que ça allait marcher. Vous avez flairé le potentiel et de Corinne et du capitaine qu'elle incarne. Oui, j'avais la conviction, si vous voulez, que c'était un personnage qui sortait de l'ordinaire, qui était très original, très particulier. Dans l'air du temps ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'air du temps, parce que l'air du temps, ça passe très vite. Moi, je pense que ce n'est pas dans l'air du temps, que c'est comme ça. Dans le temps, on va dire. Hein ? Un succès qui fait dire à Marlène Schiappa, si on veut communiquer, parler aux gens, le mieux, ce serait d'avoir un rôle dans Capitaine Marlowe. C'est vrai que ça marche mieux que les émissions politiques classiques, quoi. Ben, oui, c'est vrai. Mais à la fois, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Eh bien, parce que moi, je devais engager des acteurs et des actrices. Donc. Ils ne sont pas un peu acteurs et actrices, les hommes politiques et les femmes politiques ? Ben, pas forcément, non. Ce qui est sûr, c'est que dans chaque épisode, Corinne Mazerot en profite pour faire passer des messages politiques pour les cheminots, pour les femmes, contre les voleurs d'agios, l'obsolescence programmée, mais aussi contre les violences policières et les détournements de biens sociaux. Ça vous énerve ou ça fait partie du jeu ? Mais ça fait partie du jeu, c'est sa personnalité. Ça n'engage qu'elle, d'une certaine manière. Mais je suis d'accord avec elle sur certains points qu'elle soulève. Pas toujours, je lui dis, et puis voilà. Vous êtes actuellement en tournage pour de nouveaux épisodes. Est-ce qu'elle va faire une petite référence à la cérémonie des Césars ou non ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je commence demain. Ah. Un tournage avec elle, avec Gérard Darmon, avec Anne Alvaro, avec je l'adore, cet acteur qui est merveilleux, qui a eu la gentillesse de venir là dans Marlowe, c'est Elise Moon. Ça fait des siècles que j'avais envie de tourner avec lui, donc je suis très heureuse qu'il soit là. On va voir. Elle décide. On va voir si ça vient. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Mais ça viendra peut-être, parce que justement, dans le scénario, il y a un moment où elle est dans une espèce de lieu improbable, où elle rêve, elle fait une espèce de rêve, où elle imagine qu'elle met sa chapka sur la tête d'une statue. Et j'ai choisi une statue nue. Ah. Alors, vous voyez, c'est moi, là. C'est moi qui provoque un peu. Voilà. Marion. Alors, chaque épisode est un événement et la formule marche à tous les coups. Franc-parler, accent ch'ti, on croise des doigts, humour et chapka. L'ADN de cette série, c'est évidemment de faire jouer face à Corinne Mazerot, qui interprète le capitaine Marlowe, des guest stars. Alors, on va voir un échantillon des guest stars. Ils sont tellement nombreux au fil des ans que, vous voyez, on voit presque plus, on distingue presque plus leur visage maintenant sur la mosaïque. Oh là là, attendez, il faut que je regarde, ça ne se voit pas, donc... Allez-y, ah ben voilà, chaussée. Ils sont tous là, de Gérard Depardieu... Joe Starr... À Cadmerade, à Benjamin Biolay... Est-ce que vous en avez un préféré, là, quand vous les voyez tous, Isabelle Adjani, justement, un qui pourrait revenir ? Ah, mais pas dans Marlowe. Ah, parce ça que... c'est interdit, on ne peut pas venir. Non, je veux dire que quand on a un rôle principal dans Marlowe, c'est-à-dire quand on est le guest principal, c'est one shot. C'est un one shot. Voilà. En revanche, il y a des acteurs qui ont des rôles un peu plus importants, parce que moi-même, les seconds rôles sont toujours des acteurs que j'aime beaucoup, qui peuvent revenir. Par exemple, là, dans le Marlowe que je vais commencer demain, j'ai demandé à Claire Neubout de bien vouloir revenir, alors qu'elle avait tourné dans Meurtre en Thalasso. Voilà. Mais non, si on est le guest opposé à Marlowe, non. Et Catherine Deneuve, avec qui vous aviez tourné les Liaisons dangereuses, est-ce qu'on pourrait l'imaginer dans Capitaine Marlowe ? Mais on peut imaginer Catherine partout, parce que c'est une actrice magnifique. Encore faut-il qu'elle le souhaite ? Je ne sais pas. En tout cas, pour répondre à la question, est-ce que je vais retourner avec les acteurs ? Oui, je vais tourner avec Isabelle Adjani, Diane de Poitiers. Oui. Mais ce n'est pas Marlowe. Alors Corinne m'a demandé d'être un hallebardier dans Diane de Poitiers. On va voir. Ça lui va bien. On va...